Coucou les papillons, j'espère que vous allez vraiment très bien aujourd'hui. Alors, on m'a demandé de faire un tirage de cartes sur l'appel à la grève des transports qui est prévu le 17 février 2020. Alors, ils appellent ça une journée morte. Ils voudraient que ce soit une journée morte. C'est ce lundi 17 février. Est-ce que ce sera suivi par tout le monde? Est-ce que cette grève aura un impact? Voilà les questions qu'on me demande. Donc, pour ce faire, je vais utiliser l'oracle, le manuscrit, que j'aime beaucoup, beaucoup. Et je lui demande à cet oracle ce qu'il a à nous dire concernant cette grève, cet appel à la grève des transports du 17 février. Ah, une carte est tombée. En tout cas, il y a de la chance. Donc, c'est de bon augure, je dirais. Donc, pour moi, ça sera comme suivi et ça va impacter la vie politique, hein. Ça sera encore un grain de sable qui va encrasser la machine infernale politique de M. Macron. Hein. Voilà, j'étale les cartes. J'en tirer 5. Première carte. Voyage. Donc, je dirais, effectivement, ça va amener beaucoup de monde de toutes parts de la France. Concernant le travail, effectivement, là, ce sont les transports, hein, mais c'est pour le travail. Il y aura un changement pour une nouvelle construction. Donc, c'est plutôt positif, hein. Et il y aura une femme. Alors, la femme, souvent, quand elle sort, ce que je remarque, c'est que elle concerne aussi la France. Donc une nouvelle construction pour la France. On veut voilà, le bien de la France. C'est pour l'amour de la France, voilà. Donc moi, pour moi, ce serait certainement la France. Donc je vais avoir plus de précisions en recouvrant les cartes, hein, une à une. Alors avec le voyage, nous avons le destin. Donc voilà. Donc les personnes qui vont venir pour faire cette grève, hein, en tout cas, ils se sentent vraiment concernés par pour leur avenir et l'avenir de nos enfants. Donc effectivement, comme si ils viendront vraiment parce qu'ils trouveront ça utile. Ils auront certainement raison, hein, car ce que je ressens déjà, c'est que cette journée ne va pas être anodine, hein. Ça va amener beaucoup de monde. Et ça va impacter les hommes politiques. Niveau du travail, les choses secrètes qui se passent. Oui, il y a des choses secrètes. On ne nous dit pas tout, hein, de toute façon. Changement concernant les échanges. Donc, pour moi, oui, je dirais, voilà, c'est mon interprétation et mon ressenti, que cette grève des transports du 17 février va amener beaucoup de monde de toutes parts de la France. Les gens vont venir, vont adhérer à cette journée morte. Ça va être suivi par beaucoup, beaucoup de monde, pour moi. Et cette grève, qui est une grève supplémentaire, hein, par rapport à d'autres qui sont déjà passées, va appuyer encore plus les autres grèves. Et ça va faire vraiment grain de sable dans comme je disais, dans cette machine infernale. Mais ça va vraiment, ça va être comme la goutte d'eau. Monsieur Macron ne va pas bien, hein, actuellement, hein, donc voilà, c'est quelque part c'est de sa faute, on le sait tous, hein, chacun a sa part de responsabilité, comme on dit. Donc il ne va pas bien, donc ça c'est une constatation, voilà, sans aucun jugement, il ne va pas bien, donc forcément c'est comme si c'était une goutte d'eau qui allait qui dé faisait déborder le vase quelque part. Et là, il va être, voilà, ça va le miner davantage. Je pense que c'est à force de revendications, de grève, ça va l'amoindrir. Et moi, c'est vrai que je voyais d'ici cet été, hein, un changement radical. En tout cas, voilà, il ne pourra certainement plus faire ce qu'il fait actuellement cet été, hein, à partir de cet été. Donc, ce que je veux dire, en fait, cette grève sera un grain de sable de plus, comme si c'était la goutte d'eau qui allait vraiment faire déborder le vase quelque part, hein. Car ça va vraiment appuyer les revendications antérieures. Surtout qu'en plus, en ce moment, on est en pleine négociation.
Donc ça ternit encore l'image et son image et puis sa politique. Et ça, bah forcément, pour la réforme de la retraite, ça ne va pas aider, hein. Et pour moi, oui, déjà là, rien que à la vue de ces cartes, je peux répondre qu'il va y avoir des retombées à cause ou grâce à cette grève des transports du 17 février 2020. Il va y avoir des retombées au niveau du gouvernement. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. Nouvelle construction avec des achats, vous voyez. Pour moi, oui, il y aura des nouveautés. Hein. Ça va être, il y aura des changements grâce à cette grève. Voilà. Et la France, pour moi, c'est la France, la femme. Hein. Il y aura de nouvelles idées. Il y aura des changements, en tout cas, grâce à cette grève. Je vais juste positionner une dernière carte là-dessus. Perte d'argent. Voilà. En tout cas, pour la France, on ne veut plus de perte d'argent. Tant pis, même si c'est pour le bien des Français, même s'il y a de la perte d'argent pour le bien des Français, on veut arrêter les dégâts. Et donc, je dirais oui, grâce à cette grève supplémentaire du 17 février, il y aura des retombées, oui, effectivement, au niveau du gouvernement qui va devoir se plier ou commencer à se plier. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question et que vous avez apprécié cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt les papillons et une très belle journée. Je vous embrasse tous.